Donc voilà, ma prise en 3 points pour enlever le volant. Et voilà. Donc là, normalement, on est bon. Bon, je ne vous cache pas qu'on l'a, je l'ai décollé déjà, hein, c'est bon. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, le volant il est venu. Je vais enlever. Fabriqué avec un démon de pneus et 3 points. A savoir quand même que sur un. Je crois que sur un Oural, les vis, celles-là, sont en pas de sang. Et là, c'est du pas classique. Voilà, s'il y en a qui veulent. Sur Nièvre, c'est du pas classique. Et il me semble que sur Oural, c'est du pas de sang. Voilà, donc ça, hop, j'enlève mon arrache, que je vais garder précieusement. Hop, voilà. Voilà mon arrache. J'enlève mon boulon qui m'a servi de support. Et ah, il faut des petites mains là. Et voilà. Et voilà. Le berzinc, il est là. Voilà. Donc prise de l'arrière. Prise de l'avant. Voilà. Et je vous fais la primeur du dessous. Voilà, donc je vais tout nettoyer et regarder ce que c'est. Et à mon avis, je crois que chez Nièvre, il y a un truc qui est pas con. Il me semble que je vais regarder. Je vous tiendrai au courant, mais je crois qu'il y a un truc qui est pas bête dans leur affaire. Le moteur a déjà été ouvert, c'est sûr. Donc comme je vais changer le joint, je pense pas m'enlever le joint. Si j'arrive à avoir un truc vite fait. On va se prendre un tournevis parce que le joint, je vais le faire péter. Hop, on retourne dans mon petit antre vite fait. Je prends un tournevis plat. Voilà, je l'ai. Il est avec mon petit marteau russe. Je m'excuse, je vous fais promener un petit peu. Du moins, je m'excuse pas, excusez-moi, on dit. Je ne dis pas excuse. Voilà. Et je vais faire péter ce joint là, qui lui va de toute façon virer. Voilà, donc je vais l'enlever. Bon, je l'enlève et je vous fais une petite photo de ce que j'ai fait. Allez, à plus tard.